Thank you.
pas. Thank you.
Ce concert que nous venons d'entendre nous a fait voyager dans les trois périodes baroque, classique et romantique. Ces trois styles ont été admirablement rendus par nos deux artistes. Que dire en effet du jeu de Smetana Mitriaïkina, tellement les qualités sont nombreuses. J'en citerai quelques-unes au risque d'en oublier d'autres. Pureté, chaleur, volubilité, virtuosité transcendante, sonorité enchanteresse, j'en passe et des meilleurs. Quant au jeu d'Alexei Parchin, il sait se faire délicat tout comme fougueux, toujours dans le plus grand respect du style des œuvres interprétées. Un toucher terrier pour la musique baroque, évoquant la légèreté du clavecin, et un très beau rubato et un legato dans la musique romantique. C'est aussi la première fois que nous avons l'honneur d'avoir pour invité des sommités nous venant de la lointaine Russie, et nous pouvons être très fiers, je crois, d'avoir été les premiers à les accueillir en Belgique. Je tiens à souligner aussi... et l'admiration qu'il porte à notre pays. Avant de leur remettre un petit cadeau à la demande de plusieurs d'entre vous, je vous reprécise que la pièce qu'ils ont ajoutée en première partie est du compositeur Jules de Merseman, un compositeur dont le nom est à consonance belge, vraisemblablement. Nous n'en savons rien, personne ne le connaît. C'est l'ancien professeur de flûte de Madame Mitriaïkina qui lui a offert cette partition à la fin de sa vie. Je vous promets que je ferai des recherches et si je trouve quelque chose, je vous en ferai part. Maintenant, puisqu'il porte une certaine admiration à notre pays, ils ont même trouvé qu'il faisait chaud en sortant de l'aéroport de Saint-Pétersbourg. Ce sera donc un plaisir de lui remettre un petit cadeau des produits de notre terroir. De l'autre vie, pour Alexei Parchin, ça le changera de la vodka, et de bonne praline belge pour tous les dames. Encore une fois. Thank you.
Yes, yes. I'll talk here. Thank you very much. Yeah.